Plusieurs points de comparaison que tu peux retrouver entre la musculation et l'immobilier. Entre parenthèses, je trouve intéressant ce qui se passe dans le fit game et l'immobilier sur Internet. Si tu veux, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Les youtubeurs muscu ressemblent beaucoup aux youtubeurs immobiliers dans différents domaines et c'est assez marrant. Bref, je voulais te donner des titres de comparaison parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Moi, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Je me suis arrêté pour des raisons de travail. Mais voilà, ça me manque. J'essaie de pouvoir retrouver une condition physique, de me remettre au sport le plus régulièrement possible, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que tu as besoin. C'est de faire de l'argent, c'est bien, mais de garder de la santé, crois-moi, c'est beaucoup mieux. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs points communs entre la musculation et l'immobilier, parce que j'y vois beaucoup de convergences. Eh bien, dans la musculation, si tu veux faire grossir le muscle, eh bien, il va falloir que tu fasses des répétitions. Et plus tu feras de répétitions, et plus ton muscle va grossir. Et bien l'immobilier, c'est pareil. Plus tu vas faire des répétitions d'achats immobiliers, plus ton parc immobilier va grossir et plus tu vas t'enrichir. Le deuxième point commun que j'y trouve, c'est la patience. Construire du muscle, se construire un corps comme tu l'as toujours imaginé, comme tu l'as toujours rêvé, ça demande du temps. Tu peux pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain. Si t'es quelqu'un d'ectomorphe et que tu passes du jour au lendemain en un bodybuilder, eh bien on verra qu'il y a quelque chose de suspect derrière ça. Eh bien l'immobilier, c'est un petit peu la même chose. Tu passes pas de 0 à 6 mois, je suis un millionnaire immobilier. C'est exactement la même chose. Il va falloir du temps, il va falloir construire. Comme tu construis ton corps en musculation sur quelque chose de dur et de pérenne, et ben ton parc immobilier va falloir le construire sur la durée. C'est strictement la même chose. Les contraintes sont absolument similaires. Il faudra la régularité, comme je te l'ai dit au préalable, et il faudra être patient. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Le troisième facteur, c'est la durée. Si tu fais de la muscu uniquement sur 3 mois, et ben tu auras des résultats sur 3 mois. Et c'est le même principe que si tu achètes un bien immobilier, tu auras les résultats de ce bien immobilier. L'immobilier, c'est dans du temps, il faudra être patient, il faudra répéter les opérations, et c'est sur de la durée que tu pourras faire un bilan sur l'étendue de ton parc immobilier. La quatrième point de comparaison, c'est savoir pour quelle raison tu fais de l'immobilier et pour quelle raison tu fais de la muscu. Si tu fais de la muscu pour aller plaire aux filles et pour être beau gosse à la plage, ou inversement, ou pour les filles d'aller pour plaire aux mecs à la plage, c'est strictement la même chose, eh bien, tu vas pas le faire pour les bonnes raisons. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu te seras mis en couple, tu vas commencer à te laisser aller, tu vas te dire ça y est, je suis installé, je me suis posé, et puis au final, tu vas commencer à bien manger à la maison, à aller faire moins d'efforts parce que ton pourquoi sera moins puissant. Tu vois, moi j'ai fait de l'immobilier pour protéger ma famille et protéger mes enfants par urgence, par nécessité.
Et si tu fais de l'immobilier par avidité, par cupidité, par... Tu feras pas les bons choix en fait. Ou si tu fais de l'immobilier, alors je te dis pas que ça n'a pas de lien avec l'argent, l'immobilier, bien sûr qu'il a un lien avec l'argent, mais si tu fais de l'immobilier en t'imaginant dans 6 mois je suis sur une plage à vivre l'indépendance financière, tu te trompes. C'est pas ce placement-là que tu dois faire et c'est pas ça qui fera en sorte que tu seras indépendant financièrement dans 6 mois par le biais de l'immobilier avec un appart. Soyons très clairs. Le cinquième type de comparaison, c'est la triche. Tu sais, en bodybuilding ou sur le fit game, t'as beaucoup de gens qui, justement, trichent. C'est-à-dire qu'ils passent d'un stade de pas musclé à très musclé par des produits dopants. En immobilier, c'est la même chose. Alors, t'as des triches plus ou moins tendancieuses, c'est-à-dire de mentir un petit peu aux banques et autres choses comme ça. Et puis, t'as des triches qui vont aller un peu plus loin et un peu plus grave. T'as des gens, aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante de faire des faux papiers. Des fausses fiches de paye, des faux bulletins de salaire, des faux avis d'imposition et autre chose comme ça. Et donc, à un moment donné, tu le payes. Tu as déjà entendu parler de ces histoires de bodybuilders qui, à force de coups de stéroïdes qui sont injectés dans le sang, sont morts d'une maladie ou n'ont pas dépassé la quarantaine. Bah, c'est strictement la même chose. Si tu cherches la fraude en général, si tu cherches à, que ce soit à faire des fausses fiches de paye, que ce soit à faire de l'exil fiscal, que ce soit par d'autres biais comme ça, un jour ou l'autre, tu vas le payer en fait. Il faudra pas t'en étonner. Tu sais quelles conséquences tu prends. Le type qui se dope à la muscu, il sait exactement, il le sait, il est pas débile. Il sait ce qui peut lui arriver. Si tu fais des montages financiers ou si tu assumes ta fraude ou ton évasion fiscale ou si tu assumes les faux papiers que tu donnes dans les mains de ta banque ou si tu assumes ce qu'on appelle la cavalerie bancaire, bien. Ok, il n'y a pas de problème avec ça, mais sois conscient qu'il y aura des conséquences derrière tout ça. Le sixième exemple que je vais te donner, c'est tu connais le gars à la muscu. Il n'est pas super, super bien gaulé, tu vois, mais bon, il est un peu costaud, mais tu vois que c'est pas un mec qui s'acharne. Il est là, en fait, il passe plus de temps à parler un peu avec tout le monde que vraiment à pousser et à s'arracher à la salle. Et c'est le genre de type qui vient toujours te donner des conseils, tu sais? C'est dès que toi tu vas te mettre sur une barre, sur une machine ou autre, c'est le genre de type qui va te dire non, là tes mains mêlées à 45 degrés, non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et le type, tu le regardes, tu dis merde, mais qui est-il? Il me parle, il a aucun résultat. Et ben, c'est le même principe que lors des dîners de famille où t'as tonton Michel qui a acheté peut-être un appartement en 85 et qui va te dire tu sais, l'immobilier c'est comme ci, l'immobilier c'est comme ça. C'est un peu cette similarité entre ces deux styles de personnes. C'est le même mec que tu vas rencontrer à la salle, c'est le même que tu auras dans des dîners un petit peu comme ça, où tu auras des gens qui te conseillent et qui n'appliquent pas leurs propres conseils déjà, et qui n'ont pas la légitimité pour justement te le donner ce conseil. Septième titre de comparaison que je pourrais te donner également, c'est que, tu vois, je connais beaucoup de gens qui cherchent la méthode miracle. On me demande souvent, que ce soit par Snapchat, le réseau social que j'aime le plus, puisque c'est là où je réponds le plus souvent. Hassan, dis-nous, c'est quoi la formule magique pour réussir dans l'immobilier? À chaque fois, je leur dis, un peu de stratégie, de la connaissance, mais 99% de travail. 99% de travail. Et de l'acharnement. Il n'y a pas autre chose comme ça. Et puis, on pense qu'il y a une formule secrète. J'ai beau le répéter, j'ai beau le dire, il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'il y a autant d'investisseurs qu'il y a de manières d'investir. Et il y a autant de manières d'investir qu'il y a d'investisseurs. Et eh bien, la muscu, c'est pareil. Si tu me donnes un programme de muscu à moi, je ne vais pas réagir de la même façon que Pierre, Paul ou Jacques. Eh bien, c'est exactement la même chose en fait. Je peux te donner toutes les connaissances que je veux. Je peux t'amener mes 10 ans d'immobilier dans une seule et même formation. Si tu n'as pas l'adaptabilité dans ta tête, si tu n'es pas assez prêt à moduler les choses dans ta tête, tu n'y arriveras pas. Et c'est pareil avec des programmes de musculation. On va te dire, tu dois faire 4 fois 12 de répétitions, de. Développé couché, de ceci et de cela. Ok, mais si tu vois que tu progresses pas avec ça, adapte-toi. Rechange, remodifie le programme. Il n'y a pas une formule unique, une formule magique. Il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de stratégies qui fonctionnent, il y a plein de manières de progresser en musculation, comme il y a plein de manières de progresser en immobilier. Je voulais te donner ces titres de comparaison parce que, en fait, la philosophie que tu vas retrouver dans la musculation ou dans le sport en général, tu vas le retrouver dans l'immobilier. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois allier plusieurs facteurs. La patience, l'endurance, l'abnégation, le courage, le travail, les connaissances. Une fois que tu as réuni tous ces points-là, tu peux que y arriver. Il n'y a pas de recette miracle ni de
formule magique. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!